Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment isoler de manière thermique vos coupoles, vos bulles, vos fenêtres de toit de manière très simple et très peu onéreuse. Dans ce cas-ci, je vais utiliser de la chaux hydratée. Avec un mélange avec de l'eau, on va se retrouver avec une pâte comme celle-ci qui est très simple d'application. En fait, c'est une technique qui est aussi utilisée dans les jardins, notamment sur les serres. Pour pas que les plantes brûlent, on applique un mélange de chaux et d'eau, tout simplement. Et elle permet de réduire le rayonnement solaire de 75%. Voilà, ça c'est énorme avec une première couche. Donc vous avez un ressenti beaucoup plus, enfin, du moins beaucoup moins chaud quand vous passez sous la coupole. Parce que j'imagine que c'est ce qui vous dérange dans l'immédiat. Alors, la chaux hydratée, on la trouve facilement dans les grandes surfaces de bricolage. Ça coûte pas cher, ça coûte moins d'une dizaine d'euros pour 5 kg, donc 2 euros le kilo. Avec 5 kg, vous pouvez faire énormément de surface. Ici, avec un sac, je vais certainement tenir 3 ou 4 ans facilement. Et vous prenez de l'eau, donc c'est vraiment pas cher. Alors, ce produit donc, que vous allez appliquer sur vos coupoles, il va partir petit à petit parce que la chaux va se dissoudre avec l'eau de pluie et elle va s'évacuer. Donc si vous appliquez ça en principe au début de l'été, en hiver, bah, toute la chaux devrait être partie. Sinon, si vous voulez la faire partir plus vite, la chaux, vous prenez une éponge et vous arrosez abondamment les zones où vous avez appliqué ce produit. Alors les proportions sont très simples. Vous mettez 1 kg d'eau, donc 1 litre d'eau froide dans un seau et vous venez y mettre petit à petit 1 kg de chaux hydratée. Alors pour le mélange, c'est très simple, vous le faites donc, vous mettez votre kilo de chaux hydratée assez lentement pour pas que ça fasse de grumeaux. Et pour bien mélanger, vous pouvez prendre un mélangeur ici que vous venez mettre sur une visseuse. Sinon, vous le faites avec un morceau de bois, ce que vous trouvez, pour pouvoir bien mélanger cette pâte. Donc voilà la consistance, elle est vraiment très simple à appliquer. Ici, je l'ai fait avec un pinceau brosse de 3 x 10. Évidemment, j'aurais pu prendre plus gros. Mais voilà, donc c'est très simple. Je pense vous avoir tout expliqué. C'est vraiment très efficace, je la recommande. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut si ce contenu vous a plu, vous a été utile. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.